Coucou mes chéris, bonjour Maya, bonjour Denis, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Allô, c'est Barbie chétif à l'appareil. On se retrouve dans les conditions du direct et de la découverte. J'ai un petit peu baissé le son pour cette 1739e review de merde avec un jeu qui n'est-il pour merdique du toutou, puisqu'il s'agit de Looney Tunes Acme Arsenal. Alors, j'ai un petit bug, moi, à l'écran. Vous, la capture est nickel. Et ça y est, là, c'est mieux. On va lancer le mode histoire. Hein. C'est un jeu, je crois... oui, mais je l'ai même pas commencé, le Didaxiel, mais c'est pas grave. J'imagine que c'est un jeu d'action-aventure plateforme 3D. Les screenshots sont super beaux, mais je sais pas, ils ont dû photoshopper, ouais, voilà, parce que là, c'est pas du tout pareil. Je dis pas que c'est moche, mais le rendu, on a l'impression que c'est un rendu PS3. Voilà, alors déjà, il y a pas un truc caché en haut. Ah non, c'est bon. Alors, c'est ce que j'aime dans les jeux Looney Tunes, c'est que à chaque fois, ils nous mettent des super musiques orchestrales, et ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc là, pour l'instant... Prends ça dans ta gueule. Le bonhomme est plutôt petit, mais ça fait que le... Oh putain, on nous donne les différentes attaques. Ça rend le... Comment on appelle ça? Le décor beaucoup plus grand. On a l'impression de partir à l'aventure. Donc c'est un bon truc. Il est plutôt maniable. Alors, avec le stick analogique. Alors c'est pas la croix directionnelle. Ok. Là on nous donne tous les coups, en fait il faut appuyer sur carré maintenant, il y a ces QTE, j'espère que c'est juste là pour nous obliger à juste faire ça, parce que le combo, un combo à la Naruto sur... Ok, là il y a un petit... Oula, attention! Passionnant en tout cas là, ça... 1, 2, 3. Oh là là. Putain, mais c'est sans fin. 1, 2, 3. Ah non, c'est pour nous obliger à... 1, 2, 3. Oula, X et triangle, c'est pas évident. On va finir par y arriver. Oh putain. Allez, là c'est la clé, les clous. C'est les clés ou c'est Warner? Ah oui, c'est les clés Warner Box. Alors, on a des quand même des... C'est bon. Waouh, c'est bon. Non, non, il a l'air cool. En tout cas, il est bien... Double saut. Oh putain, ça a pas marché là. Alors. C'était juste, hein. 1, 2, et rond. Et oui, c'est comme dans Super Mario Galaxy. Quand on secoue la Wiimote, on pouvait... Là, ça fait comme un troisième jump. Viens là, cousin. Voilà, oh, 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 qu'est-ce que tu fais là? Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que... ils font... l'ennemi qui part et qui me tape après, ça c'est bien, parce que c'est pas souvent qu'il y a ça dans les jeux. Et j'aime bien comme ils explosent. Oui, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a le mur invisible pour éviter, comme ils font un côté semi-transparent, ben, quand on passe selon les angles, ben, en fait c'est bien joué, ça fonctionne. On se dit pas, ben non, c'est un bug, le mur est transparent. Là ça marche bien. Alors, en tout cas, les musiques sont super, c'est pas juste poète poète camion. Là, c'est comme une symphonie, je veux dire, il y a plusieurs mouvements. Oh putain, on a un shooter, attends. Non, alors, attends, déjà, juste... Non, on peut pas bloquer le tir. J'essaie de trouver un bouton. Attends. Ouais, on peut pas crafter sur les côtés, c'est ça qui est un peu con. Là, on est obligé de bien tirer.
Et en... Ah non, mais ça va, ça vise automatiquement. Ça va. Ça va, ça vise. Ah ouais, ça s'est arrêté, la musique, elle repart. Mais ça, c'est plus dans ces jeux-là. Il n'y a pas trop ça dans les... gens qui vous disaient, il y a des super musiques dans les jeux vidéo, il y en a. Là, c'est pas... C'est plutôt dur à faire, quoi. On donnait un moment de calme, de répit, de machin. Alors... Ouais, c'était le... Oui, on va sauvegarder parce que le jeu a l'air bien. On va faire sauvegarde automatique. Allez. Alors c'est un petit peu bizarre quelqu'un, je sais pas, pourtant j'ai jamais joué, ça me dit rien. Hein. Parce que pourquoi j'ai pris en plein milieu le mode histoire. Parce que maintenant on peut... Ah ça y est, maintenant on va faire le mode normal parce que sinon... Bon, on va lancer le premier truc. Quel personnage on peut prendre? Attends, attends, touche Select pour rejoindre. Moi je prends le Lapinot. On est obligé de jouer à deux ou pas? Non, c'est bon. J'ai appuyé sur Start. On peut faire double saut, flotter. Voilà, c'est le système du flotter. Centrage caméra, permuté tunes. Avec le L1, on pourra jouer plusieurs. On pourra jouer avec des véhicules. Combat de mêlée, combo de mêlée, combat à distance. Là déjà, regarde, ce truc-là. Ah, la caméra avec le stick analogique, là, elle bouge pas. Nickel, voilà. Elle est stable. Putain, en plus, c'est les bons doublages avec les bonnes voix. Là, je mets Hérode un peu comme dans Bloodborne au début. On a des ennemis. Voilà, en plus, on a. Tiens, j'arrête pas de dire voilà. Est-ce qu'on peut juste se mettre sur un rebord? Parce qu'il y a des jeux. Ouah, ça, c'est bon. Ça, j'aime bien. Parce qu'il y a des jeux, on peut même pas. Là, on peut se dire, je veux balader dans le niveau. Est-ce qu'on va tomber dans le truc? Bon, là, ils peuvent pas non plus tout faire, mais voilà, c'est rigolo. Voilà quoi. On peut casser les. Ouah, boum, ça j'aime bien. Ah voilà, les interactions. Comme dans Bloodborne, on se disait pourquoi on peut parler des fois aux gens. Là, déjà, rien que cette architecture-là. Ouf, ils nous font la blague. Ça referme. C'est un peu aussi comme dans Dark Souls. Le village, c'est plus le village quand on arrive au début, quand on voit une deuxième fois le dragon là. Il n'y a que le bouton de garde, alors c'est un peu de beat'em up si on veut. Ou un beat'em all infiltrationnesque, ça veut rien dire. Non, en tout cas c'est superbe. Alors là, franchement bravo, hein. Monsieur Bourdin. Le bonhomme, ça va. Bon, il a une tête un peu bizarre, mais comme c'est très agréable à jouer, à prendre en main. Et là, c'est tout con, mais on voit les nuages derrière, là. Les petits éclairs, de temps en temps. La musique, elle est vraiment la classe, quoi. Elle est subtile quoi. Hop là, ça s'accélère, c'est rigolo. Est-ce qu'il y a une interaction? On se fait bobo ou pas? Eh oui, on se fait bobo. Les ennemis nous foncent dessus dès qu'ils nous voient comme dans Dark Souls. Ça là, c'est bon, c'est les bons bails ça. L'explosion en plus, elle est stylée. C'est un peu cartoon, cel shading, mais sans trop l'être. Et à voir. Il était caché derrière les trucs comme dans Dark Souls. Nickel, en plus je suis con, c'est avec des châteaux. Donc voilà, on... Non, là franchement, la merde, c'est tombé. La mise en situation est vraiment nickel. Alors est-ce qu'on a un bouton par exemple? Ouais! On peut changer de personnage. J'aurais bien voulu une vue... Non, non, attention, une vue subjective. Ça m'aurait plu pour regarder le ciel, ça sert à rien, mais ça aurait été vraiment cadeau. Là, on a un ennemi. L'archer. Voilà, boum. Putain, y a... Allez, on nous fait. Regardez-moi ça. Il se passe des trucs, voilà, avec des cinématiques. Voilà, le truc comme le dragon qui partait dans Dark Souls. Et là, c'est le dirigeable. Nickel. Comme on dit, c'est des scripts. C'est des scripts, mais qui sont bien amenés. Boum, allez. Non, non, c'est nickel. Je m'attendais pas à ça. Hein. Checkpoint. Tiens, le jeu est stylé, j'en ai jamais entendu parler. Ça fait un moment que je l'ai en plus. Et il est beaucoup mieux que l'autre que j'avais testé, qui était un peu plus. On veut montrer qu'on est dans le film, je sais pas comment expliquer là. Ben, un autre.
qui était pas mauvais en soi, mais c'était plus. Là, on est dans le jeu direct. L'autre, c'était plus on veut nous faire du fan service avec les voix des personnages et des situations peut-être qu'on a déjà vues sur internet. Alors pourquoi on peut monter, ça sert à rien? Eh bien, c'est ça qui est bon. On sait pas pourquoi. Mais c'était en plus. On peut voir à travers ou pas. Ouais, la caméra, c'est normal. Les jeux de ce genre. Alors, on a le coup de pied aussi, retourné, hop. Il y a des musiques. Oh, allez, hein. Ah. Ah non, il me fait bobo, lui. Interaction avec le décor, ils nous font des blagues. Lui, il attend. Comme dans Dark Souls, est-ce qu'on peut faire un backstab? Ou alors celui qui sera à gauche, il y en a un qui sera à gauche. Ah non, ça aurait été bien de faire un mec à gauche caché. Là, là, des ennemis qui arrivent. Non, mais il est nickel ce jeu. Alors là, respect. Respect, Bourdin. Et là, en plus, on est un peu bloqué quand on attaque quelqu'un. Ça reste sur l'ennemi. Mais on peut quand même bouger de gauche à droite pour rétablir légèrement la direction. Donc c'est ça qui est bien. Il y avait le jeu précédent que je vous ai testé. Quand on commençait un combo sur un ennemi, on pouvait plus bouger. Donc, là non, on peut rétablir. Ouais, qu'est-ce que c'est à cause ça? Et en plus c'est suspendu, c'est tout con, mais ça fait un côté cool. Un côté groovy quoi. Lui, il nous envoie comme dans... Aïe! Il nous envoie comme dans Quackshot des... Putain, en plus, il part, il est dur à voir, lui. Ça, c'est bien vu. Il tape, il part. Il tire, il part. Il tire, il part. Il tire, il part. Ils font pas ça, d'habitude. Parce que d'habitude, il part, tire. On le voit plutôt partir, alors que là, il tire et il part. Et j'ai eu du mal à la faire, celle-là. Ah, des fois, le cri est un peu bizarre. Ce qui est l'un des points, parce que je vais pas dire que du bien du jeu, mais... Oh. Un petit détail tout court, mais il n'y a pas de vibration dans les manettes. Et vu que la musique, elle est plus en avant, finalement, même si elle est assez subtile et discrète, bizarrement, on se sent peut-être un peu spectateur au niveau du ressenti familial. Ah, les interrupteurs et les cinématiques, comme dans Dark Souls, respect. Et voilà, ça c'est bon. Aïe, 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 il y avait un truc à... Oh putain, attention! Ouf, voilà, on n'est pas coincé, coincé. Et là, je suis passé de l'autre côté. Ah non, c'est bon. J'avais pas fait déjà ça. Non, c'est des trucs secrets, ouais. Ah, on voit qu'ils ont, ils sont pas, ils l'ont bien programmé le truc. Il y a plusieurs petits passages. Shortcut, voilà, ça c'est le shortcut, mais moi je veux pas aller au shortcut. Je veux d'abord faire le vrai truc en entier pour faire à 100% le stage, parce que là c'est un truc qui donne envie de faire. Ça c'est quoi ça, c'est quand c'est une l'aura verte. Là, il y a des trucs secrets, c'est peut-être que ça qui manque c'est la vue subjective. Dans les jeux d'habitude on peut le faire ça, on a une vue subjective qui nous permet de mieux voir les passages qui sont... Ah, on est invisible. Attends. Par exemple ici, on aurait voulu regarder. Après, c'est que du détail, hein. Faut bien trouver des petits trucs. Ah oui, et y a pas l'ombre... Quand on saute, elle est très légère, donc heureusement je savais que j'étais tombé une première fois. Parce que sinon, j'aurais pas su... Attendez, y a pas un truc secret? Pourquoi on nous fait aller tout là-haut? Y'a rien à récupérer? Allez, qu'est-ce qu'on attend? C'est parti. Très bien, ça il me fait plaisir quand il fait ça. Parce qu'il dit pas ça au hasard, il a dit pile au bon moment, en respect. Très bonne surprise, je vous le recommande ce jeu. Là d'emblée on est dans le jeu quoi. J'avais peur avec le... comment ça s'appelle? Avec le tutoriel, mais là ça y est, on est parti dans le jeu, regardez-moi ça, il y a les... On est dans une... on est dessus dans le truc là, il y a pas... Voilà, le mec est caché comme dans Dark Souls, putain c'est bon là. C'est du Looney Souls. C'était très éclairant. Voilà, en plus il me répond à moi-même, respect.
Ouais, moi je dis chapeau parce que de faire déjà un univers comme ça, dans Sekiro j'ai jamais autant bandé quoi. Là de suite j'ai la gueule. Dans Sekiro ça n'a jamais été le cas. Là il y a un sens du, je sais pas, du de placer les ennemis comme il faut. Voilà, l'intelligence artificielle est bien meilleure que dans Sekiro. Il donne un coup, il part, il donne un coup, il part. La musique s'arrête parce qu'il va se passer un truc. Voilà, QTE. Oh putain, vite! Voilà, les ennemis, vite! Voilà, allez vite! Putain, j'arrive pas à dire parce que j'ai pas l'habitude de jouer au jeu comme ça là. Boum, boum! Ils m'ont pas encore vu. Là, c'est. C'est From Software, c'est vraiment. C'est un clin à From Software, ça. Rentre chez toi. Voilà, le chaos. Ça, c'est bon avec les trucs de chaos. Non, non, respect. Putain, j'ai répété 100 fois, mais ça, c'est du jeu. Ça, c'est un jeu à avoir, à garder sur PS2, là, putain. Mais ils se foutent pas de notre gueule avec un jeu comme ça. La musique s'arrête, là elle reprend. Ça s'arrête. Là, c'est juste si on veut se mettre en poste avancé ou voilà, on peut. Putain, ce voilà, il me gave. Hein. Il y a peut-être un truc. Ah non, c'était le néon. On a l'ennemi, le truc là. Là, les musiques sont variées. Si on prête attention, on n'a pas de la merde là. Ah, là il y a un truc caché derrière. Là, on peut casser ou pas? Non. Bon, j'ai besoin d'entraînement. D'accord. Et voilà, là il faut passer par un petit bout. Détour, alors attends. Ça c'est du level design. On sait pas à quoi s'attendre, on sait qu'on arrive dans une forteresse et petit à petit. J'ai besoin d'entraînement. Après c'est un peu brouillon là, mais parce que je fais n'importe comment. Le jeu est stylé. Ah, il est caché derrière, il est acculé comme un enculé, très très bon. Putain, l'explosion elle est trop stylée. Alors que c'est toujours la même pour les ennemis, mais comme c'est la bonne, ben ça fait, c'est que c'est nickel. Alors attends, peut-être un petit problème. Ah voilà. Et voilà, Super Mario Galaxy avec les Super Mario 64 ou Sunshine avec les gros cubes là, les passages et les cubes qui bougent. Alors, bien sûr, ce jeu est sorti après. Par contre, il est sorti avant Dark Souls. Merci. Ah, là, j'ai tout au maximum. Attends, on change d'arme. Non, non, on change d'arme. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Oh! Mais je préférais le tir. Allez, pousse-toi, vous les gants Bertrand, vous avez de son prénom. Je suis un peu fatigué. Attention, là, je me fais bourriner là. Alors, oh putain, il me tire de loin l'autre. Et hop, on repart, on se remet. Les petits détails comme ça. Caméra un peu chiant. Ah oui. Ta 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 ta. Ça, c'est l'énergie, pourquoi? Attends, attends. Déjà, on va regarder un petit peu. T'as une plateforme 3D. Voilà. Vite, 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 vite. Ouf, c'est juste chaud là. Et là, on repart l'aventure. Putain, prends ça. Le checkpoint, c'est bon. J'ai plus de barre de vie là. Où c'est qu'il y a des potions? Et là, je suis au paquet au niveau du pognon, mais. Attends. Il n'y a pas un truc caché là? Voilà, c'est bon.
Allez, une potion que j'ai. Oh putain, attention, attention. Oh, putain, en plus c'est bon ça, la verticalité dans le jeu. Tous ils disaient ouais, verticalité, c'est génial. Ben, là, elle y est. On a tout pour l'instant, sans faute là. Moi je veux. Ils ont des animations rigolotes. Ah, il y a une potion, il y a une potion, il y a une potion, pousse-toi. Ça y est, c'est bon, le jeu est bien calculé là. Nickel, nickel. Des débris, putain, j'arrive pas à le dire. Hein. Des scripts, mais qui sont pas dégueux. Pas rébarbatifs, sont stylés quoi. Pour l'instant, le jeu nickel. Hein. Jamais entendu parler, mais. C'était le moment ou jamais. Prends ça, hop. Combien des trucs qu'on peut détruire et au moins il y a des choses à aller chercher. C'est ça qui est sympa. Là, le rouage, comme dans Dark Souls 2, simplement 2. Les archives. Ah non, Dark Souls 1. Les archives. Alors. Viens là, cousin. En plus, le niveau il est grand là. 21 minutes, j'ai toujours pas fini. Respect quoi. Ah ah! Yes! Même ça sert à rien. Au moins j'aurais trouvé. Je sais pas à quoi ça correspond par contre. On me dira, c'est assez répétitif. Là, les blocs, mais ça le mérite d'exister quoi. Alors. Allez. Bon, ça va, je suis 100% life. Alors là, c'est bon. Ah, il y a un truc là. Ouf. Non, parce que là, on rigole pas. C'est un bon truc. Là, il faut faire les choses bien. J'ai téléchargé. Pour l'instant, Dazzle tient la route. Il y a une vide sur ces stages là-bas, ça continue de bouger. J'aime bien les jeux qui se foutent pas de notre gueule. Là, on part à l'aventure, ça c'est la classe quoi. Attends. Y a quelqu'un? Non! Mais pousse-toi, toi! Oh! Impossible! Impossible! Voilà, j'ai buté le méchant. Vrai. Ah, la barre de vie, c'est pas la peine là. Attends, attends. C'est juste récupérer. Allez, on va quand même prendre la truc. Il y aurait peut-être le bouton où j'ai pour changer d'arme. Est-ce qu'on peut aller là-bas? Est-ce qu'on peut aller là-bas? Il n'y a pas une truc. Ah non, c'est trop loin. J'aimerais bien aller sur la petite tourelle. Non, moi je dis chapeau. Je dis chapeau pour ce jeu. Et voilà, j'ai fini le niveau. Voilà, ça bug ou pas? Oui, mon CD est très rayé. Alors, 95 pièces sur 100 ou... Ah, il n'y a pas marqué. Sauvegarder, ouais. Très très bon. Ah, je recommande, hein. Putain, ça c'est du jeu. Incarner Bugs, Daffy, Taz, Marvin et les autres. Plus de 15 armes, ça on s'en fout. Non, ce qui est important, c'est le level design et l'ambiance. Ça c'est bon. Juste un petit peu la notice, elle est cool avec des images. On pourra rencontrer nos ancêtres. Les thunes jouables, il y aura Charlie Lecoq, Gossamer, Taz, Bugs, Vert Poilu. Putain, on va juste regarder. Alors, ah, d'accord. Ça l'a fait ou pas? Oui, mais ils mettent pas. Alors c'est un peu con parce que là il faut se souvenir que celui-là je l'ai fait. Ils auraient dû mettre un petit truc. Comment ça s'appelle Un truc de couleur pour. Oh putain, il y a pas mal de jeux, hein, de stages là. Respect, regardez-moi tout ce qu'il y a. Du coup, je sais même plus ce que j'ai fait, oui. Donc c'est ça, avec pas mal. 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et 21 déjà c'est pas mal, c'est beaucoup plus que Earthworm Jim. On a fait 25 minutes pour un stage. Moi ce qui m'énerve c'est ça, c'est qu'ils auraient dû griser parce que là je l'ai déjà fait. C'est un peu con. Alors on va faire retour. On va voir s'il n'y a pas un mode bat. Attends, le trophée c'est quoi? Aucun trophée. Alors en même temps j'ai continué. J'ai bataille, il faut être deux, simplement deux. Kaamelott. On va voir. Non. Ouais, non, c'est pour à deux, simplement deux. C'est pas grave, c'était pour vous montrer un petit peu. Triche, yes. Allez, on va faire un deuxième stage. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils me font ça? À tout moment, on peut choisir en mode. J'espère que ils vont pas me demander de refaire. Ça, c'est un peu bizarre leur système. Pour l'instant, on peut pas choisir les bonhommes. Si on veut changer de bonhomme, non, on peut pas. C'est pas grave. Ouais, c'est peut-être un truc un petit peu con. Faudra que je regarde la notice pour vous dire. C'est un peu con là. Il n'y a pas d'infos plus que ça. Si on doit recommencer à chaque fois. Pourtant, j'ai sauvegardé, mais. Ah oui, on aurait pu mettre vibration. Ah non, non, ils vont pas faire ça, je l'ai fait. Attends, on est où là? Ah non, non, ça va, ça va. Là, c'est les caisses. Les fûts de vin. Chante vin, chante vigne. Alors pour l'instant, ça se ressemble, c'est sûr, puisque c'est le premier niveau. Ah, ils sont coriaces. Joli salon qu'ils ont là. Ah, ben voilà, j'ai changé de bonhomme. Là, on a Maître Yoda un petit peu, il est tout petit. Il attaque avec je sais pas quoi. Il est plus rapide. Attends. Yeah, c'est respecté quand il roule. Il roule là quand il marche. Ah, il y a les bruits de pas. Alors. Ah merde, option, oui. Est-ce qu'on peut mettre... Il y a la vibration, mais je la sens pas. Hein. Désolé. Le son, musique, voix, ouais. Ou on peut un peu baisser la musique, mettre les effets. Peut-être quoi. On sera plus dans le jeu. Comme ça. Déjà, ça baisse Darksiders. Je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave, j'avais envie. Les autres nous ont repérés. Est-ce qu'on peut se recacher? Eh oui, là, pour se cacher, ils nous ont pas vu. Et le flingue. À la Air Mac dans Mortal Kombat 11. Et il a dégoté le gros flingue, là, respect. Et là, il y a automatiquement la cible. Bon, le choix des personnages, ça change pas trop. J'ai pas l'impression que ça fasse quelque chose. Est-ce qu'il y a un truc caché derrière? Ah, ils auraient dû. Ça aurait été sympa, ça. Ouais. Bon, ils peuvent pas non plus être... Un jeu parfait n'existe point. Ah. Yes. Yes, c'est bon. Le petit problème de ce jeu, c'est... Eh non, mais... Attends. Et on va partir de là. Alors. On va le faire bien. Et merde. Ah, je suis sûr qu'il y a un truc à aller faire. Hein. Mais voilà, on fait par là, je suis con. C'est juste cadeau. C'est ça qui est bon dans ce jeu. C'est que c'est cadeau. Ils nous font des trucs cadeaux. Et là, on va pouvoir rejoindre là, comme dans Prince of Persia, quand on s'accroche aux poutres. Alors, est-ce qu'on peut... Voilà! I love this game. Il fallait juste passer du bon côté. Et on peut flotter. Voilà, nickel. Aïe, aïe, aïe. Putain, ouais, sympa. Putain, l'ambiance... Ah, respect là, ça c'est bon. Hein.
Allez, les trucs qui bougent, l'ennemi, tiens, il nous tire. C'est pas que. Déjà, c'est un peu plus salaud que le truc d'avant. C'est impossible. Impensable. Ah, c'est le méchant, il nous parle. Bon, je connais pas vraiment l'univers. Même quand je connais les trucs, les noms, machin, ça m'intéresse pas. Donc, je vais pas vous faire. Ouais, c'est torche-cul maniaco dans l'épisode 57 de l'édition machin. Alors, on peut faire du tir à distance. Par contre, on peut pas faire changer de cible avec R1. Hein. Hop là! Une sensation de grandeur, de stage et respect. Hein. Il y a des jeux qui savent pas faire ça. Hein. Les situations, elles sont vraiment cool. On a vraiment l'impression de partir à l'assaut d'un château. Là, super grand, le truc. Oh putain, il y a un méchant, là. Oh putain, il y a un méchant. M'admire-t-on maintenant ? Attention, pousse-toi là, pousse-toi coussin. Laisse-moi gérer. Attends. Ça c'est bon, là on a la pression là. Ouaf, je suis accroché, on a la pression. On a la sono. Et là on revient, tranquillou. Voilà, c'est comme ça les jeux. Comme dans la vraie vie, on tire, hop. Oh, les voici. Rentre chez toi! Prends ça! Attends, rentre chez toi. Et là, on peut taper, on se casse, allez. Rentre chez toi là-haut! Alors. Pousse-toi! Putain, je m'occupe du gros là, cousin. Prends ça! Ah là, ça c'est bon. Non! Et si? Ah, on peut aller chercher un truc là-haut, ouais. Waouh, on peut aller monter. Oh putain. Non, ça c'est un bug, oui, c'est fait exprès. Je veux pas tous les taper parce que là j'ai plus trop de vie, on va pas s'amuser à ça. On va aller plutôt. Hop. Yes. Mais les lutres, putain, respect. Ah oui, ça y est, on se met là et on attrape. Ça c'est du bon. Putain, il y a plein d'idées dans ce truc. Hein. Mais là, et après, il faut faire gaffe de pas tomber. Voilà, c'est bon, on y est. Ok, checkpoint. Pousse-toi là. Pousse-toi! Il m'attaque de loin, c'est pour ça que c'est bon. Oh! Putain, les salauds, ils y vont pas à moitié là. Putain, le mode. Voilà, ils m'attaquent de loin, on se cache. Voilà, les archers dans Dark Souls, respect. Et un coucou, voilà, ça c'est bon. Une intelligence artificielle, y a pas ça dans Sekiro. Hein. Alors. Montrez-moi ça. 1, 2, oh. Oh putain, ça s'est joué à un poil de. Chaud. Allez, donnez-moi un peu une potion de vie. Bien sûr, on peut. Voilà, ça y est. On peut les zapper, mais c'est ça qui est bon. Dans la vraie vie, c'est comme ça, on peut zapper des combats, ils avaient qu'à être malins. Hein. Donc là, c'est bien fait. Pas téléguidé, on fait comme on veut, on gère soi-même. Oh putain, attention, déjà, je veux tout prendre, moi. Attends. Voilà, eux déjà ils sont en bas, regardez-moi ça. C'est comme dans Dying Light. On a les zombies en bas, ils peuvent pas nous avoir. Et là on va aller là-haut. Et hop là. Vous avez vu un peu? Ça c'est savoir jouer aux jeux vidéo. Aïe. Oh putain, je suis mort. Oh putain, comme dans Dark Souls. Et hop, on en reprend. Ça c'est quand même sympa d'avoir mis un checkpoint là où on est mort. Attention, la tourelle est un ennemi, c'est genre invulnérable. Ouais, en plus ça continue de s'agiter, de marquer quand on joue. Donc moi je dis merci, ça c'est du jeu.
Attends. Ah voilà, on a deux vies alors. On a deux personnages, non? Putain, on peut casser l'alcool. Pousse-toi, oh! Pousse-toi, toi, gros con. Non. Voilà, boum. Voilà, et lui, hop, on se casse. C'est tout, c'est comme ça quand on joue au jeu. Nickel, on nous fait croire qu'il faut passer par là, mais en fait, hop, c'est pour nous brûler. Pour nous frustrer, mais au moins ça nous fait réfléchir, voilà, c'est bon ça. Alors, est-ce qu'il y a une interaction avec Bugs Bunny? Ah non, moi je veux le tir, moi. Rentre chez toi, là-haut! Boum, boum, boum! Oh putain, attention là! Oh putain, oh! J'ai combien de vies là? Ah, pousse-toi! Après, j'ai mis en mode normal, mais. Moi, je dis bravo, hein. Quand je vois ça, je dis bravo là. Allez, 3 BO, je sais pas quoi là, dans Star Wars 7, là, le nouveau robot là. Nickel. On va juste voir s'il n'y a pas des trucs cachés. Ouais. Ça, c'est des salles, à chaque fois, on a plaisir à. À tout chercher un flingue. Alors là où il y a quoi? Non, alors en fait des ennemis. Ouais, la caméra est un peu chiante par moment, mais vu que sur les autres points tout est nickel, on va pas non plus critiquer. Hop. Bon, ça n'a pas moins marché. Bah oui, parce qu'il faut passer par là. Là. Aïe, pousse-toi, oh. Ouf. Alors, c'est par là qu'il faut passer ou pas, non? Et non, qu'est-ce que j'ai? Que cosa hai fatto? Ah oui, il faut trouver le truc, ok. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Attends. Ah voilà, quand on tire. Voilà, ça y est. Non, ça va, c'est clair. Attention. Depuis tout à l'heure, ça devait être l'écran noir. Chier. Hop là, c'est bon. Coucou. Ah. Mais bon, c'est revenu. Je crois qu'on s'est compris. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors. Ça, c'est bon, ça. Il n'y avait pas encore Avoc, mais on pouvait déjà casser tous les trucs. Oula, attention. Rayon de lumière, papillon de lumière. Il n'y a pas des trucs cachés. Oui, non. Pour l'autre après, oui. Alors, lui, c'est qui, lui? Hop là. Non, on fouille, c'est ça qui est bon. On fouille, là. On fait pas semblant. Pas des stages pour mettre des stages. Le chef-d'œuvre du jeu vidéo, Death Stranding de merde, là. Et au moins on joue, on n'a pas des cinématiques de pute qui durent une heure. Il n'a qu'à faire sa série B là. Les cinématiques qui servent à rien, t'appuies sur un bouton, ah, c'est génial, il y avait une histoire au moins. Il y a un scénario, s'il y a un scénario mais il n'y a pas de gameplay, c'est pas un jeu vidéo. Hein. T'achètes un DVD, pauvre con. En plus maintenant il y a plein de DVD à 1€ série B de merde, c'est le même niveau que votre Koji merde.
Ils nous disent qu'on peut interagir, mais ça y est. Alors... Le weak spot, ok. Attends. Le weak spot, c'est la bouche. Hop là. Allez, on y va. Putain, là il y a un boss. Boss fight. Est-ce qu'il faut pas tout... Voilà, il faut pas toucher. Attention, pas toucher haut. Ah ouais, mais là, j'ai pas compris. Hein. Allez, pas toucher haut. Allez. Un combat où on est dans un robot comme dans Super Mario Galaxy. Pour l'instant, je dis Attends, attends, là, je sais pas où je suis, là. Je comprends pas. La caméra, elle me... Allez, SBO. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'ils font des checkpoints, mais en même temps, ils... Donc, ça, c'est un combo. Un Naruto. Temps de chargement, bizarre. Et merde, faut tout recommencer. Oh putain. Ouais, c'est peut-être le seul truc qu'il y a, c'est que c'est pas clair au niveau de la. Dans le boss, c'est juste d'arriver, voilà, c'est un peu chiant. La profondeur, là, le. Le repère des profondeurs, c'est pas top. La caméra, bon, c'est pas grave, mais c'est juste cette sensation de... Des fois, on sait pas trop... Ah, là, ça va. Allez, hop. Pas tout compris, c'est pas grave. Mais là, il y a le boss de quoi? Il est tiré sur sa tête ou pas? Attends, il y a un truc là-bas ou pas? Oui, il y a un truc caché, voilà. Aïe, 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 aïe. Voilà, c'est là, c'est bonus, c'est bonus. Pousse-toi là, pousse-toi. Rentre chez toi. Voilà, il y a plus de choses que... Rentre chez toi! Alors, là, pourquoi on nous fait aller là? Ça servait à quelque chose ou pas? Non, mais c'est cadeau. Le weak spot, là, on le voit pas trop. Je vois pas à quoi ça sert, mais bon. Attends. Bof. Pour nous faire croire peut-être que c'était ça le boss, alors qu'en fait, ça va être l'araignée. Pas tout compris. Il y a une bonne ambiance à la Zelda Wind Waker quand on commence le jeu, là qu'on arrive la première fois au château. Et à ce côté-là, moi, j'ai chapeau. Allez, hop, on tape là. Je suis un peu fatigué. Ah ouais, putain. Alors. Kekezako. Ko. Non. Alors. Attention. La caméra, hein, qu'est-ce qu'on doit faire là? Bon. Attends.
Ça y est. Allez, allez, allez. Ça, c'est bon. C'est du Mario... Mario, le truc comme ça, là. Super 64 aussi. J'ai pas trop compris à quoi servait le truc jaune. Oh putain, les aliens. Il y a tout dans ce jeu. Les animaux rampants qui se cachent, qui tirent à distance, les gros bourrins. Putain, respect, quoi. Il y a plus de variété que dans Sekira. Pas tout compris. Non, mais je comprends pas. Aïe. Aïe, aïe. Vite. Vite, pas tout compris là. Ah, c'est bon, j'ai cassé. Où sont tous les plans de cette satanée machine? Eh ouais, on comprend rien là. Je me prends pas la tête, je m'amuse. Ah, alors ça va. D'accord. C'est quoi ça? C'est un élément du décor. Voilà, hop, c'est bon, on peut y aller ou pas? Il y a un truc caché derrière, non? Ça serait bien. Non, là c'est une blague, c'est pas grave. Allez, Alien Trilogy, boum. C'est marrant de faire un truc où il y aurait aussi un gameplay. Je suis sûr qu'à un moment donné, il y aura des méchants qui vont nous tomber dessus. Qui me fasse en mode FPS, là. Prends ça dans ta gueule, directement dans la face de Chris Jericho, boum. À un moment donné, il y aurait une blague, hein, ou alors c'est comme dans Dark Souls, Non, pas cassé. Allez. Aïe, aïe, aïe. Voilà, le truc à distance. Putain, respect. Hop, hop, et le rond. Ouais, c'est bon. Carrefour with that ex Eugène. C'est pas super ce qu'on peut faire avec du fil de fer et des ampoules. Ouais, ouais. Top secret, voilà, il y a des... Prends ça. C'est pourquoi il y a du blanc là, ça sert à quoi? C'est cadeau, c'est en plus, ça sert à rien mais ils le mettent, c'est ça que j'aime bien. Ou alors c'est moi qui ai loupé un épisode. Alors, weak point, là c'est les oreilles. Ouais, il faut monter par là. Là, j'ai pas vu s'il y avait des 100% pour finir un niveau. Alors. Ah, ça y est. Boum. Boum, boum, attends. Tout compris. Faudra tirer peut-être sur le... Attends. Ah, ça y est. Hop. Putain, la classe, c'est pas possible. Ouais, l'eau qui monte, il y a que des trucs super. Il y a des paquets dans le jeu là, ils sont pas fait chier, hein.
Bon, oh putain, vite, 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 on va aller dans l'eau, vite. Putain, comme dans Sonic. Comme dans Sonic. L'eau qui monte, putain. C'est bon, il n'y a que des trucs là. C'est cadeau, c'est en plus, il ne met pas dans le stage, on comprend que vers la fin. T'as une heure de jeu, j'ai fait que deux stages à peine. Putain, le. Bon, après, je sais pas si une rejouabilité. Hein. Si une fois que j'ai fait le stage là, est-ce que j'aurais envie de le faire une deuxième fois Aïe, aïe, aïe. Alors, les lits sont infinis ou quoi de fer et des ampoules. Allez, pousse-toi là, hop, rentre chez toi là, boum. Là, je meurs encore une fois, après j'arrête parce que sinon. Aïe, aïe, attention. Voilà, enlève-moi ça, ok. Hop, on y va. Vite, allez, le tuyau. Vite, vite, allez, me fais pas tomber. Vite, 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 là, on perd pas de temps à taper le cousin. Vite, 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 j'y vois rien, là. Vite, vite, vite. Checkpoint, c'est bon, on a le checkpoint. Là, c'est barre de trucs, j'ai pas compris. Allez, pousse-toi, là, on est... Allez, l'eau, elle continue de monter ou pas? Mais on fait comme dans Dark Souls, on rush. C'est un peu brouillon les attaques, mais ça fait partie du côté cartoonesque, sinon... Alors attends, juste regarder d'ici à gauche, l'eau elle monte ou pas? Voilà, boum. Y'a pas des trucs cachés là-haut? Ah, la vue subjective, ça manque quand même, hein, parce que... Non, c'est bon. C'est trop tard. Il dure longtemps. Limite, j'allais dire, je dirais que si j'ai envie de pas dire, que les stages ils sont trop lents. Alors, ça va qu'il se passe des trucs. Mais putain, ils sont lents. Hein. Longs plutôt. 25 minutes par stage. En plus, il y a des jeux où ça peut être 25 minutes parce qu'il y aurait une énigme. Le temps de la comprendre, on met du temps là. Non, c'est que du. On avance, on avance, on avance. Donc ça fait qu'il y a du. Il y a pas mal de contenu dans le stage, quoi. Aïe, 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 aïe. Vite, vite, vite. Oh là, j'ai eu le bug, là. Qu'est-ce qui est passé? Il court le furet. Waouh. Il y a beaucoup d'informations en même temps. Moi, je comprends pas. Oh putain, vite, vite! Téléporte. Je vais au pif. C'est pas super ce qu'on peut faire avec du fil de fer et des ampoules. Elle a déjà dit. Alors, je suis pas sûr de tout capter. Pousse-toi là, oh! Il faudrait que je la fasse en deux parties là parce que mon ordinateur il va pas tenir. Hein. Non, ça j'ai déjà fait. Aïe 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 aïe. Alors ça c'est où ça? Ça c'est où? Putain, je comprends plus rien là. Ça c'est où? Je comprends rien là, je suis perdu. Moi je dirais qu'il faut aller sur tous les trucs et trouver le bon. Le bon truc. Ah voilà, ça y est. Et actionner le bon truc, voilà, ça y est. Bon, c'est pas trop difficile. Putain, encore, c'est immense, le jeu est sans fin là-haut. C'est trop tard pour faire la paix. Là, on peut les zoomer, j'allais dire. Allez. Il y a un nouveau pot de personnage, c'est bon, un nouveau skin. Alors, est-ce qu'ils suivent en montant pour pas? Est-ce qu'ils vont me suivre ou eux, ils peuvent pas monter? Ouais, c'est bon.
On va aller... Pousse-toi, je veux récupérer la... Là, on est où? J'espère qu'ils ne me font pas revenir au stage d'avant. Attends. Waouh! D'où l'intérêt de faire des grands stages. Yes! C'est trop tard pour faire la paix. Prends ça, oh! Ça, c'est comme les... dans... les squelettes qui roulent, là. Allez, pousse-toi. Pousse-toi, ouais. Ça rame un peu, mais bon, ça va. Regardez tout ce qu'il y a à l'écran. Il se fout pas de notre gueule, quoi. Ah, ouf, j'ai toute la vie. Vite, 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 vite. C'est quoi cette attaque? C'est quoi cette attaque? Hop là, boum. Allez hop, on y va là. Putain, le stage il dure une blinde là. Je suis sûr qu'on est passé de l'autre côté. Attends, attends, pousse-toi là. Ah voilà, c'est lui qui a l'éclat là-haut. Non, c'est rapide, il y a plein d'idées et c'est rapide, donc on se fait pas chier là. On a une sensation de bien partir à l'aventure et tout. Attention. L'autre, il fait dodo. Ah là, il a son doudou robot. Ça, c'est beau. Allez, prends ça dans ta gueule, là. Putain, le stage, il dure une blinde, là. Ah, les trucs secrets, là. Je suis sûr que ça, c'est le truc de fin, non? Ah, ça c'est bon, là, la respect, bravo. Ah putain, bon le feu. 96, à chaque fois je suis presque à 100. Reproduire 4, ça veut dire quoi? Continuer, oui, on sauvegarde. Là, je vais m'arrêter là, car je suis agréablement surpris, encore mieux que ce que je pensais, parce que j'ai eu 2-3 vidéos, mais quelques secondes pour me dire à quoi il ressemble ce jeu si j'en parle. Et j'avais pas noté la qualité du truc là. Juste que c'est pas marqué, il faut se souvenir qu'on a déjà fait ça et ça. 21 stages minimum. Moi je vous dis sur ce, on va mettre les crédits, on va leur dire bravo à tous ces gens-là. Et ben voilà, en plus même les crédits sont bien faits. Sur ce, ciao Pépito pour une prochaine vidéo et à plus mes puces.